Bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous embêter pendant à peu près 45 minutes avec un discours très formalisé. Non, moi, je souhaitais juste remercier tout le monde, les contributeurs au programme, les conférenciers, les track leaders, le comité de programme, évidemment, tous les exposants, tous les visiteurs qui font de ce Paris Open Source Summit une belle réussite qui croît d'année en année. Jusqu'à tout ce qui s'est passé maintenant, j'assume la responsabilité. À partir de maintenant, je décline toute responsabilité. J'ai reçu des menaces de mort, donc on a dû céder. Je vais d'ailleurs appeler mon assureur de suite. Voilà. Et je laisse la parole à Florent Zara qui va expliquer ce qui va se passer maintenant. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de micro. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Et encore, merci beaucoup pour cet événement. Merci d'avoir laissé la cérémonie de clôture à l'ensemble des associations pour cette asso finale. Donc lors de cette asso finale, deux choses, ce sont les 20 ans à la fois de l'open source. It's the 20th birthday of the open source initiative. Yeah, thank you. Simon is here. We'll have a little speech from Simon. We'll have also a little speech from linuxfr.org. It's also our 20th birthday. C'est aussi les 20 ans de linuxfr.org. Et donc on va avoir encore un tout petit discours pour vous présenter linuxfr.org pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il y aura un petit intermède musical par Clément, Captain, qui viendra nous faire un petit morceau musical. Et ensuite, on attaquera les choses sérieuses, parce qu'on sait que vous êtes tous là, pas pour les discours, mais pour les trottinettes qui sont ici. Voilà, 4 trottinettes. On vous les vend depuis 2 jours. On vous les vend, façon de parler. Elles sont là, on ne vous a pas menti. Et voilà, on a mis les petits plats dans les grands. On remercie Enix et NBS System qui ont permis de nous fournir le budget pour vous payer ces 4 trottinettes pour nos 20 ans. Donc voilà, c'est notre anniversaire et c'est nous qui offrons les cadeaux. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole sans plus attendre à Simon. Simon, please. Just. Well, good evening. So we started our 20th birthday here at Paris Open Source Summit last year. And since then, it's been an amazing year. We've been taking the Open Source Initiative's birthday around the world. We were founded in 1998. We have been building a world where people want to use free software in their businesses. So we have been promoting a marketing campaign that we call Open Source, which is a marketing campaign for free software. And you heard it from me saying that. So where have we been? Well, we've been all over the place removing obstacles to people using open source in their businesses. We have been around the world to over 36 locations with our birthday celebrations. But it all started here in Paris. This is where the wave started a year ago. And so we're bringing it home today with the end of the birthday party. So I'm here representing OSI. I'm OSI's current elected president. And we're representing all of these organizations. So this is the vast majority of the world's open source projects are represented here at Paris. And it's a big birthday party. I'm told there is a big cake coming up. It's even better than this cake. This cake here was specially adapted to become an open source logo. We did have one birthday party where we gave everyone donuts, and we let them adapt those into OSI logos. But that is all I wanted to say in my 10 minutes. I've still got another 8 left. I'm going to get you home early. Open source makes great things happen. And so thank you very much for celebrating our birthday with us and making it possible to celebrate all over the world. Happy birthday. Merci, merci beaucoup. Thank you, Simon. Thank you. So, maintenant, nous avons un petit intermède musical par Clément Oudo, alias Captain, qui va nous faire un peu de musique.
Et encore une fois, merci beaucoup à l'Open Source Initiative and happy birthday. Bonjour, j'ai branché mon câble RJ45. Normalement, on doit avoir du réseau, c'est bon? Parfait. Bonjour Paris! Bonjour le libre! Ah ouais! Bonjour le libre! Ouais! Merci d'être là, on est très content de fêter cet anniversaire tous ensemble. Et on voulait faire un peu de musique libre. Et je suis très content en fait qu'ils aient accepté que je monte sur scène, sachant qu'ils n'ont pas du tout entendu ma chanson avant. Donc j'ai mis des gros mots dedans, bah, tant pis pour eux, ils auraient dû censurer. C'est une petite chanson, voilà, donc moi je fais de la musique libre. C'était pas Joyeux Anniversaire ? C'était, ouais, mais en malgache. Ah merde, bon. Ouais. Bah, écoute, je te laisse faire. Alors, bah, moi je fais du libre, je fais de logiciels, mais quand j'en ai marre en fait des erreurs de compilation, je prends ma guitare et je fais aussi des chansons. Et donc, bah, merci à tous mes amis d'être là, parce que grâce à vous, il y a des gens dans la salle. Et les gens qui ne me connaissent pas encore, bah, merci de vous être trompé de salle et d'être venu quand même. C'est très gentil. On va chanter une chanson qui s'appelle, je dis on parce que, évidemment, vous avez, comme les paroles sont libres, vous avez pu les télécharger, les apprendre par cœur avant de venir, qui s'appelle Aphrodisac. Ça commence doucement, mais c'est normal. J'ai fait le tour du monde, accroché à tes bras, enlaçant tes épaules, ma peau tout contre toi. J'ai gardé tes secrets, parfois lourds à porter, tes clés, ton téléphone, l'adresse de tous ces hommes. Je m'accroche à ton corps et quand tu me remarques, je suis un chercheur d'or, pris la main dans le sac, aphrodisac, oui, dans le sac, aphrodisac. Je n'ai jamais rien dit, oh non, rien dit quand tu m'as fait les poches. Je n'ai pas d'interdit tant que nous restons proches. Tu sais, je suis assez ouvert, j'aime les liens et le cuir, les fermetures éclairent, tout ce qui te fait plaisir. Je crois que je redoute qu'un jour tu ne me plaques, que notre longue route finisse en cul de sac, en cul de sac, aphrodisac, en cul de sac, aphrodisac. Je vois que tu caches ton âge avec tes produits de beauté, mais moi je garde ton maquillage
dans mes recoins secrets. Tu m'as passé à tabac, je n'ai pas oublié. Je sens encore tes doigts attraper mes poignets, à t'attendre sous la pluie. Tu sais, parfois je craque. Je t'ai confié ma vie, et toi tu l'as mise à sac, mise à sac. Aphrodisac, oui, mise à sac. Aphrodisac, oh, mise à sac. Aphrodisac, oui, mise à sac. Aphrodisac. Merci, merci beaucoup. Merci Clément. Merci. Merci beaucoup Clément. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site captainpodo.net. Voilà, il y a des musiques, il y a des paroles et il y a des musiques à télécharger. Merci, vive le libre. Merci beaucoup. Merci Magali d'être montée sur scène pour la finale. Donc maintenant, on va enchaîner très rapidement par Nicolas Vérité qui va venir nous présenter... très rapidement, linuxfr.org, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et voilà, tu peux prendre le micro, tu es Allô. Sur scène. Merci, monsieur. Voilà, et c'est là où voilà. Je pense que Pierre a été inconscient de nous laisser la scène, parce que maintenant je te la donne, et je pense qu'il va le regretter. Eh bien, on va y aller. Alors, il y a une petite zapette ? Ok. It's gonna be less. People are in a hurry. Ok. Je vais vous le faire en français. Sorry, it's gonna be in French. Donc, linuxfr... on est toujours là depuis 20 ans, et 20 ans sur l'espace du web, c'est absolument... Ouais. Yann, viens Yann, Yann. Et on a l'historique, on a un fondateur parmi nous, on a réussi à avoir un des trois fondateurs. Le Fabien Pinceau que vous connaissez n'est pas là, mais on a Yann qui est là. Je ne sais pas si Nils ou Oum veulent monter sur scène deux minutes, mais je sais qu'ils préparent une petite surprise, donc Nils, on ne va pas les embêter plus que ça. Nils, il ne peut pas. Benoît pourrait. Il oui. Y a une petite zapette pour continuer les slides. Voilà. C'est le vert. Voilà, ça c'est Benoît, Benoît Cibot. Ouais. C'est la personne sur qui on tape s'il y a un souci. Non ? Ok. Ok, on va continuer. Alors, les slides, voilà. Donc, on va faire un jeu, on va faire des devinettes, si vous voulez bien. Et on va passer sur les chiffres de linuxfr. En d'autres termes, les KPI. Ok ? Alors, le premier, ça va être un échauffement. Le premier chiffre, là, ça va être une question de rapidité. Ok ? Vous me répondez le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre ? Quelles sont les unités de ce chiffre ? Ok ? On y va ? Ouais, 20 ans. Bon, ça, c'était facile. Alors, après, le président du comité d'organisation avait dit qu'il déclinait toute responsabilité de ce qui suit. Vous êtes tous témoins. Je vais vous montrer des images d'une extrême violence. Je suis désolé. À quoi ressemblait le site il y a 20 ans ? Alors, vous arrivez à lire, là ? C'est quoi Debian ? C'est quoi Slink ? Qui a utilisé Slink ? Ouah, il n'y a pas beaucoup de mains levées, là ! Ok, merci, merci Tris. On continue. Quel est ce chiffre ? Ah, là, c'est un petit peu plus compliqué. On monte en gamme, on essaie de chauffer, donc on monte en... Est-ce qu'il y a la bonne réponse, Nico ? Le nombre de Bitcoin, ouais, c'est très bien. La première réponse était la bonne. C'est le nombre de dépêches, on appelle ça des dépêches ou des news. Voilà. Donc 25 depuis l'aube des temps, depuis le début de l'humanité de linuxfr. Donc on va continuer, on va toujours monter crescendo. Quels sont ces chiffres ?
Ça représente quoi? On y va, tentez. Par, exactement, 1,3 à 1,5 million de visiteurs par mois, unique. Ce qui fait 15 millions de visites par an. Oh, c'est pas mal, ouais, on peut applaudir. Donc en gros, quand vous postez une news sur Linux.fr, il y a quand même pas mal de gens qui la voient, plus c'est relayé sur Twitter après, donc c'est pas mal, ça vous donne une bonne visibilité. On va continuer. Quels sont ces chiffres? Là, il y en a de plus en plus. Là. Ah, il n'y a plus personne qui répond là. Le nombre de comptes. Le nom. Et. Putain. C'est le maître des chiffres. Ah, j'ai laissé échapper un gros mot, pardon. Nombre de comptes visiteurs, le nombre de comptes modérateurs, le nombre de comptes animateurs de l'espace de rédaction et le nombre de comptes admins sur le site. Le sien, c'est le premier, oui. Par mois. On a beaucoup d'espoir depuis que Red Hat s'est vendu 34 milliards. Hein. Quel est ce chiffre? Bon, ça représente plein de choses. C'est le nombre d'associations qu'il y a derrière. Ça s'appelle Linux.fr, c'est juste une asso, on fait une AG par an maximum. C'est le nombre de communautés qu'il y a derrière. Et ça représente un autre truc, mais qui m'énerve. Mais qui m'énerve? Une erreur qu'on fait tout le temps. C'est, ça s'appelle linuxfr.org. Ok, on a retenu, on va le refaire. linuxfr.org. C'est clair? Voilà. Bon. Et ce n'est pas linux.fr comme on entend trop souvent. Et comme on le voit sur le stand. D'accord. Merci à l'organisation de corriger pour l'année prochaine. Ok, on est déjà à 5 minutes. Parce qu'on sera là. On va accélérer. Donc les 20 prochaines années, je voulais faire un truc sur la Startup Nation, mais on va avancer vite. Et la Zabette, elle va pas vite. Hop, hop. Ah oui, on hop. A été interrogé ce matin. Il y avait notre ami Guillaume Meurice de France Inter qui est venu sur le stand, qui cherchait de la Startup Nation. Il a dit, où est-ce que je trouve la Startup Nation? Parce que là, je suis au milieu d'une bande de zadistes. Voilà, donc... il a été un peu déçu. Mais bon, on ne sait pas, si on passera, on vous dira ce qu'il en est. Bon, en gros, je voulais vous dire que si vous publiez sur Linux.fr, le trafic sur vos sites web, il en change. Donc voilà. En revanche, donc, on a fait... ouais, bah tiens, on peut revenir là-dessus. Voilà. Donc, à chaque dépêche que vous publiez, vous avez le score de la dépêche, le nombre de commentaires... les notes, etc. Donc c'est très utile pour les gens qui veulent de la mesure ou pour des gens qui font du marketing. Et c'est bien le marketing. Voilà. Donc c'est diffusé sur Twitter, il y a 12 000 followers en plus, il y a plein de gens qui suivent sur les flux, etc. et qu'on ne maîtrise pas. Donc Linux.fr amplifie. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Et là, c'était la partie sérieuse. Maintenant, sur les 20 prochaines années, vous seriez fous de vous passer Linux.fr et je passe le micro. Voilà. Vous n'avez pas besoin du micro, merci Nico. Donc voilà, quelques-uns de nos logos au-dessus. Merci beaucoup Nico. Donc Nico, effectivement, président de l'association. Voilà. Depuis quelques années déjà, il a pris le relais de Fabien Penceau, d'Amaury, d'un tout un tas de personnes qui ne sont plus avec nous. Mais voilà, le site continue de vivre. Et n'hésitez pas, c'est un site, encore une fois, francophone, contributif sur l'actualité. Il vit pour vous, par vous. Et donc voilà, on vous attend nombreux sur le site et on a toujours une bonne audience, comme vous l'avez vu. Et voilà, donc on va s'arrêter là parce que vous attendez encore la suite des événements. C'est quoi la suite déjà? Hein? On a faim. Le gâteau d'anniversaire. Allez, et là maintenant, retour de Clément et de Florence, que je vous propose d'applaudir bien fort parce que si Florence n'était pas là, le Paris Open Source Summit ne serait pas là. Merci beaucoup Florence. Big up, Florence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, tous, joyeux anniversaire, OXFR.org. Joyeux anniversaire. Pimpin a quelque chose à dire. Pimpin, 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 pimpin.
Et donc maintenant, donc, grand retour de Pimpin. Et c'est donc Pimpin qui va procéder au tirage au sort, moment que vous attendez tous depuis impatiemment. Les discours, vous en avez marre. Vous avez eu ça pendant 2 jours. Donc je vais vous donner le principe. Non, Pimpin, tu ne manges pas le gâteau, s'il te plaît. Non, non, tu viens au centre de la scène. Au centre de la scène, voilà, par le centre. C'est là-bas que tu as... Je ne suis pas sûr qu'il voit grand-chose depuis toutes ces années. Il a dû prendre un peu de cécité. Voilà, là, tu ne feras pas de bêtises avec le gâteau. Alors, je vais aussi appeler pour le tirage au sort. Aider Pimpin qui a des grosses mains, qui est un peu Parkinson. Non, tu pars pas avec la trottinette, Pimpin, t'as pas le droit. Il a déjà essayé ? Tu m'étonnes pas. Je vous demande juste d'accueillir Tris à Catherine du projet Arcadie, qui n'a pas, la seule qui n'a pas voulu mettre son nom dans l'urne et qui est donc une main innocente, qui va pouvoir participer au tirage au sort. Donc je vous donne les règles. On va tirer deux noms. On va tirer deux noms à chaque fois, 4 fois, parce qu'il y a 4 trottinettes. Les 2 personnes vont venir sur scène et vont jouer au Shifumi. Tout le monde connaît les règles du Shifumi ? Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. C'est pas parce que votre nom est tiré que vous gagnez tout de suite. Mais vous ne repartirez pas les mains vides. Celui qui gagne a le choix entre la trottinette ou alors un certain nombre de livres des éditions ENI et Roll et un abonnement à la librairie Connect de Diamond. Et donc ENI et Roll et Diamond nous soutiennent depuis près de 20 ans chacun. Quand vous publiez aussi sur LinuxFR, vous avez une chance de gagner tous les mois un bouquin de ces éditions ou un abonnement à Linux Magazine. Et les trottinettes, juste un petit mot pour remercier Enix et NBS qui nous ont permis de financer l'achat de ces trottinettes pour nos 20 ans. Ils recrutent, c'est des gens sympas, c'est cool, n'hésitez pas si vous cherchez du taf. Et on m'a dit que Pimpin avait passé quelques jours là-bas, mais bon, ça, c'est, ça reste entre nous. Donc on va tirer Pimpin, assisté de Tris, vous tirez les 2 premiers. Petit roulement de tambour. Si je peux mettre à l'endroit. Yves Olvoué et Chloé Landolfini. Ouais. Vous êtes attendus sur scène. Alors on a voulu faire au début un burger quiz sur le programme, mais l'équipe programme était incapable de nous sortir des questions sympas. Je vous ai dit le programme cette année, ouais, non, ça vaut pas le coup. Faites un don là, je suis Fumi, donc voilà. En plus, il y a un cadeau, il y a un prix, il y a un canon de Pimpin, quoi. Mettez-vous de chaque côté de Pimpin. Chaque côté de Pimpin. C'est Pimpin qui arbitre, hein. Alors, on va faire un roulement de tambour. Et quand le roulement de tambour s'arrête, vous dégainez pierre, feuille ou ciseaux. Vous êtes d'accord ? Roulement de tambour. Ah, non. Ah, on recommence. C'est raté. On recommence le roulement de tambour. Top. À égalité. On recommence. Roulement de tambour. Dès que ça s'arrête. Ah. Bravo. Bravo, monsieur. Félicitations, faut un embrassade à Pimpin. Voilà. Vous choisissez la trottinette, sachant qu'il y en a une qui a des pneus dégonflés, faudra la regonfler. Je suis désolé. Et vous ressortez avec le petit carton là-bas où il y a les pneus de rechange. Je ne sais pas. Voilà. Félicitations. Et pardon, j'ai oublié. Chloé, tu peux choisir 2 livres ou un abonnement à Linux Connect parmi ceux qui sont là. Pimpin, reste là, on t'a dit que t'étais aveugle. Hein, t'as cécité, tu reviens au milieu, s'il te plaît. 2, t'as droit à 2 livres. 2 livres. C'est pas tous les jours qu'on a 20 ans. Voilà. On procède au 2e tirage au sort. 2e trottinette. Roulement de tambour. Roulement de tambour. 2 tickets. Alors... Christophe Baume et Christian Combo. Ah, j'en ai un. Et il y en a 2. Montez sur scène, de chaque côté de Pimpin, s'il vous plaît. De chaque côté de Pimpin. Alors, vous connaissez... Hein ?
Vous connaissez pas le jeu ? Alors en 30 secondes, vous faites, quand la musique s'arrête, vous faites soit le signe de la feuille, soit le signe de la pierre, soit le signe du ciseau. Le ciseau, la pierre gagne contre le ciseau gagne contre le papier gagne contre la pierre. D'accord ? C'est une relation triangulaire. Voilà. On a failli faire la version pierre, feuille, ciseau, Spock, lézard, mais on s'est dit que ce serait trop compliqué. Parce qu'il y a une version un peu plus compliquée. Voilà. Donc, c'est parti, vous êtes prêts ? Les règles sont claires ? Les règles sont claires ? Parce que, attention, roulement de tambour. Dégainer ! Ah, bravo au caillou ! Félicitations ! Vous repartez avec une trottinette et vous repartez, monsieur, vous avez le choix, avec deux livres ou un abonnement à Linux Connect. Alors, quand vous sortez, vous prenez un petit carton ici, vous avez le chargeur, les roues de secours. Voilà, super, merci les gars. Je crois que Pimpin a quelque chose à dire. Troisième tirage au sort. Les gens attendent là, c'est pas pour toi qu'ils sont là, c'est pour les trottinettes. Allez, 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 tu vois, t'entends le roulement de tambour, ça veut dire que tu... Voilà. Triste un peu d'aide, là, il a du mal. Alors... Ah, donne-moi ça. Ah, Patrick, il y a des Patrick dans la salle. Alors, Patrick et Lionel, ça, c'est les deux prénoms. Donc, les autres, vous savez que c'est pas vous. Pardon ? Non, Patrick Chauchepra, Patrick Chauchepra et Lionel Lombardi. On en a un, où est le deuxième ? Lionel, a priori. Patrick Chauchepra une fois. Patrick Chauchepra deux fois. Patrick Chauchepra trois fois, on retire. Ah non, 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 ça marche pas comme ça, on passe par le Chifoumi. Merci Pimpin. Alors, est-ce qu'il y a des Sébastien dans la salle ? Il y a combien de Sébastien dans la salle ? Sébastien... Ah, il n'y a qu'un seul Sébastien, et effectivement, c'est bien Sébastien Dubois ! Lionel, les règles sont maîtrisées ? Ouais. Sébastien, les règles sont maîtrisées ? Ça va faire un long chemin avec la trottinette jusqu'à Marseille. Hein. Il y a de la batterie dessus, bien. Il y a de la batterie, mais toutes les 30 km, tu recharges. Ouais, ça va être long. Alors, de chaque côté de Pimpin. Attention, t'es prêt. Chacun est prêt. Les mains derrière le dos. Roulement de tambour. C'est à vous. Bravo. Bravo Lionel. Un câlin à Pimpin. Et Sébastien, tu repars pas les mains vides. Tu repars avec deux livres ou un abonnement à Linux Connect. Voilà. Au choix, deux livres et une trottinette. Voilà, bravo. Félicitations, vous ne repartirez pas les mains vides. Voilà. Pimpin, ça fait quand même quoi 5 ans que tu n'es pas sorti de ta cage. Hein. Ça faisait 5 ans, voire même 6, je crois, que tu n'étais pas sorti de ta cave. Hein, voilà, c'est pas grave. On est content de te revoir. Qui connaissait Pimpin avant de venir ? Ouais, ouais. Alors, roulement de tambour pour le dernier tirage au sort. Pimpin, encore un peu d'effort avant de retourner dans ta cage. Il m'en faut un deux. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Ah, ce ne sont pas des cartes de visite, ceux qui ont mis des cartes de visite, c'est mort. Est-ce qu'il y a un Benjamin dans la salle ? Est-ce qu'il y a des Benjamins ? Il y a quelques-uns, j'en vois pas, je vois pas de main qui se lève. Ah, ah, celui-là, je le connais, c'est un surnom. Pandarque, déjà. Est-ce que Pandarque est là ? Pandarque une fois, Pandarque deux fois, Pandarque trois fois, Benjamin, Benjamin... Malinovski. Pandarque, trop tard, trop tard.
Ah, Pandarc. On a pas retiré. Benjamin, ben je compte jusqu'à 3. Ah, ça va être un peu long là, non, ça va être trop long pour l'ambiance, ça va casser l'ambiance. 4. Ah, on compte jusqu'à 10, on lui laisse 10, tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roulement de tambour, tirage au sort. On avait donné une chance à Pandarc, qu'il fallait la donner à Benjamin. Ah, une carte de visite. Ah non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon qui travaille chez Systématique, dont le prénom commence par un A. Non. Est-ce qu'il se reconnaît? Que je croise tous les mois et qui s'appelle Alexandre Thomas. Alexandre, sur scène. Attends, c'est pas gagné, Thomas. Tu es contre Pandarc, il est redoutable. Alors, chacun de chaque côté, vous connaissez les règles. Alors, Pandarc, Alexandre, c'est la dernière trottinette. Pour eux, justement, on fait les arts Spock parce que c'est la dernière. Ah, on voulait faire les arts Spock? Pour la dernière. Oui. Ah, je suis désolé, j'ai appliqué la règle. Et on a compté jusqu'à 10. Je suis désolé, toutes mes confuses, Benjamin. C'est la règle du jeu. J'espère que tu ne nous en tiendras pas rigueur. Non, merci. Tu peux rester. Allez, vous êtes prêts? Alors, on fait la variante classique. Alors, roulement de tambour. C'est parti! Ah! Égalité, on recommence. C'est tendu, une finale comme on les aime. Allez, roulement de tambour. Top! Bravo, Alexandre! Et je vois qu'il nous reste encore quelques livres. Je vous propose de... Alexandre, tu repars avec la trottinette. Sauf si tu veux des livres. Et dans ce cas-là, Pandarc part avec la trottinette. Non, elle marche. Il faut que tu l'allumes et il faut que tu la charges peut-être, je ne sais pas. Pandarc, tu as le choix entre deux livres d'ici, ou un abonnement à Linux Connect, Linux Pratique Connect, et je vous propose de tirer une dernière personne pour récupérer les deux derniers livres qui resteront, ou l'abonnement, trois derniers livres ou abonnement qui restera. Pardon. Ou alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on peut donner les livres à Benjamin. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner les livres à Benjamin qui est arrivé un peu trop tard? On compte jusqu'à 10. On compte jusqu'à 10 si Benjamin nous entend. Benjamin, je vais prendre mon temps pour recompter jusqu'à 10 avec la salle. Dites à Benjamin qu'il a de nouveau 10. On compte jusqu'à 10 pour qu'il revienne et il récupère tous les livres qui restent. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, bravo Benjamin, bravo. Tu repars avec 3 livres, qui sont les 3, les 3. On avait un peu plus de livres en rab. C'est mieux que la trottinette. Il y a une trottinette et 3 livres, tu fais dans la quantité. Voilà. Alors on avait prévenu que c'était dangereux de nous confier la cérémonie de clôture. Merci. Bienvenue, merci Benjamin. Ah, le câlin à Pimpin. Et donc, alors mine de rien, ce gâteau se mange. Alors, il y a le petit manchot au-dessus, il y a le signe de l'OSI. Alors, il n'y a que la partie supérieure qui se mange. Mais si vous avez faim, on peut vous en passer un peu si vous avez faim avant de sortir. Mais encore une fois, merci beaucoup. Merci à Pierre. Merci à toute son équipe. Merci à Systématique, à toute l'équipe qui était en coulisses. Merci à tous pour avoir été venus. Merci à vous. Et on se revoit l'année prochaine. À très bientôt. Merci Pimpin.
tu peux lui faire un câlin, Pimpin. On peut même mettre un joyeux anniversaire en musique sonore pour terminer.